Julien Moyet, donc moi j'ai 42 ans, je suis le fondateur donc, de cette société. Je suis moi-même diplômé d'une école d'informatique du Val-d'Oise et une école qui m'a préparé au métier d'informaticien en alternance également. Oui, alors la société Axperf, donc, est une société de services informatiques aux entreprises, regroupant plusieurs métiers que sont la vente, l'intégration, la maintenance de matériel et de logiciels informatiques, l'audit, le conseil aux entreprises, la gestion de projets informatiques et bien évidemment la virtualisation, la digitalisation, l'externalisation d'un certain nombre de services dans le cloud au profit des entreprises. Voilà, ça fait 13 ans que ça dure. C'est une société que j'ai fondée en 2008, donc on va fêter nos 13 ans cette année. On est 7 techniciens, on a des milliers de machines à gérer aujourd'hui au quotidien sur tout le territoire français, parfois même à l'étranger. Les missions de Homer, elles sont diverses dans les métiers du service aux entreprises. On parle bien évidemment d'assistance au quotidien sur les logiciels et les matériels, assistance aux utilisateurs, aux clients. Évidemment, l'architecture système et réseau des entreprises, donc administrer les serveurs, les matériels réseau. Et puis, bien évidemment, participer activement à la gestion de projets. Quand il s'agit par exemple de digitaliser une entreprise, de gérer les ressources dans le cloud, de changer un parc machine avec des serveurs, des PC, tout cela en accompagnant les utilisateurs et le client avec le moins de perturbations possible. Voilà, c'est les missions transversales du métier d'informaticien au service de l'entreprise. Alors Homer s'est parfaitement bien intégré. Alors au-delà du fait effectivement qu'il est tout à fait sympathique, il a une belle ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe, et puis bien évidemment les compétences qu'il a accumulées cette dernière année notamment. Il est informaticien, en tout cas à nos yeux et aux yeux de l'équipe, il est parfaitement dans son rôle, il est compétent et son intégration bien évidemment, ça fait 3 ans qu'on travaille avec lui et dont cette dernière année avec l'Incitec. Voilà, il a toutes les qualités requises pour être un bon informaticien, à n'en point douter. Être tuteur aujourd'hui, c'est une belle mission, en tous les cas, si on peut appeler ça une mission. Je trouve que c'est un rôle important. Je suis fier de pouvoir participer à cette dynamique. C'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Et voilà, au-delà d'être productive, une entreprise, c'est aussi une cellule humaine, comme je le dis souvent. Et participer, effectivement, voilà, à cette responsabilité sociale, sociétale, si je puis dire, elle est importante à mes yeux. Donc, c'est aussi une belle façon de rendre à mon tour un peu de temps, le temps qui m'a été donné il y a quelques années maintenant. Donc moi, j'ai effectué un BTS Service informatique aux organisations avec une option en réseau dans une école qui est basée à Pontoise en alternance. J'ai pu intégrer la société Axperf du coup en 2018 via ce BTS qui ensuite justement j'ai renouvelé en alternance en effectuant un bachelor sécurité système et réseau à l'Encitech. Alors du coup pendant mon bachelor donc on a effectivement revu les bases de l'informatique. On a un peu plus du coup travaillé comparé au BTS sur la partie sécurité qui va être de la détection d'intrusion, comment est-ce que protéger un réseau d'entreprise. Voilà, après on voit aussi la partie de management d'un projet, comment intégrer un projet, la partie légale aussi via des cours de droit. Et puis voilà. En termes de rythme, c'est vrai que c'est assez soutenu comparé à l'initial, mais c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui je vis bien. Je suis plutôt habitué, au moins ça me permet d'être directement intégré au monde de l'entreprise à la sortie de mes études. Alors du coup, moi, ma relation avec mon tuteur se passe très bien. Dès mon intégration dans l'entreprise, il a pu me mettre à l'aise. On se tutoie. C'est vraiment, vu qu'on est une entreprise de taille familiale, voilà, c'est plutôt une bonne entente. On est vraiment toute une équipe soudée. Dès qu'on a un souci ou des problèmes techniques, on peut aller voir mon tuteur, donc Julien Moyer. Sur ce point-là, il n'y a aucun souci. Même à titre personnel, il peut m'aider dans ma vie personnelle, me donner des conseils. Donc sur ce point-là, oui, mon tuteur et moi, on a plutôt une très bonne relation. Les projets donc pour la suite, c'est de continuer à rendre le service que nos clients sont en droit d'attendre. Ça, c'est effectivement
les projets pour la suite. Et puis, c'est très probablement un peu de diversification de nos activités, notamment sur la téléphonie sur IP. Voilà, et puis pourquoi pas effectivement étendre notre périmètre d'action sur d'autres départements. Voilà, mais ça viendra avec le temps.